Allez, bonjour à tous, ici PsyWar, votre commentateur et animateur de vidéos de jeu préférés. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça j'espère. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan, un tout nouveau commentary. Et voilà, je n'ai qu'un mot à dire les amis, Stéphanois. Cet homme est un monstre, un titan, un gros mangeur de maman. Enfin bon, voilà, vous le verrez comme vous voulez les amis, mais ce gars-là, il mérite bien plus que ce qu'il n'a actuellement. Il vous a réalisé aujourd'hui, mesdames et messieurs, sous vos yeux éblouis, non pas une, mais bien deux nucléaires à la PPSH. Et ouais les gars, aujourd'hui même, Stéphanois vous réalise de la double nucléaire à la PPSH sur Call of Duty Black Ops 3. Ouais, je vous avoue que j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais bon, voilà, ça, c'est bien arrivé, hein, la PPSH sur Black Ops 3, c'est bien arrivé. Enfin bref les amis, le gameplay a été réalisé sur la map Infection en groupe de 6, et bah ouais, hein, faut bien ça pour rentrer une putain de double nucléaire, hein, ce genre de gameplay, faut l'assurer, donc voilà, en groupe de 6. Sur sa classe, il n'avait que la crosse, donc voilà, ça doit être encore plus compliqué à réaliser. Il m'a dit aussi qu'il comparait cette arme, la PPSH, avec une Vesper ou une VMP. Alors personnellement, ouais, en gros c'est une SMG quoi, hein, mais personnellement, moi, la PPSH, je la voyais plus comme une batteuse, tu sais, une arme lourde qui tire vraiment des grosses rafales sa mère, alors qu'en fait, à ce qui paraît, hein, sur Black Ops 3, elle a énormément de recul. C'est vraiment une Vesper, mais vraiment avec un design particulier. Donc, il a réalisé cette double nucléaire sur le compte de la Obscur Clan, hein, le compte officiel de l'Obscur Clan, on va dire ça comme ça, avec lequel, je vous le rappelle, un de nos streamers avait obtenu la PPSH en live, hein, lors d'un pack opening. Et bah d'ailleurs, les amis, en parlant de ça, je tenais particulièrement, mais bien sûr, je parle au nom de la team, voilà, on tenait à vous remercier énormément suite à cet événement, hein, finalement, ce pack opening, on a tapé des plus de 700 viewers, les gars. Plus de 700 viewers, c'était énorme. Franchement, vous vous rendez pas compte, mais voilà, nous on était là dans la coupe Skype, on savait plus quoi dire, quoi. C'était juste incroyable. Donc, merci à vous tous pour cette fidélité que vous nous avez donnée, etc. Et puis voilà, c'était juste ouf. Cette soirée était juste ouf. Voilà, donc pour la petite parenthèse, avant de poursuivre sur le gameplay, la chaîne de Stéphanois sera en description, les amis. Rappelez-vous, quand il avait fait sa double nucléaire au Sniper SVG 100, il avait gagné environ 200 abonnés. Alors là, les gars, aidez-moi, s'il vous plaît, à lui faire passer la barre des 3500. Mais vous pouvez pas savoir à quel point il le mérite, quoi. Et pour vous montrer que j'y tiens énormément, bah, je vais pas me puber dans cette pub, enfin, dans cette vidéo, je ne vais pas me puber, pour vous prouver que finalement, ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est la performance qui a été démontrée par ce joueur. Première game, ça je vous l'ai pas dit aussi, première game, le mec nous tape la double nuque à la putain de PPSH, l'arme est sortie hier, quoi, tu vois. Enfin, c'est incroyable, c'est juste... Ce gars, je pense que c'est notre meilleur player. C'est notre meilleur player de l'Obscur. Donc, encore des informations sur le gameplay. Voilà, il faut savoir que plusieurs kills ont été effectués à la faux. Hein, bon, bah ça c'est normal. Hein. Et il faut savoir aussi qu'il a réalisé la première nucléaire, donc de ces deux nucléaires qu'il a fait dans la même game, bien sûr. La première nucléaire a été réalisée au début, c'est-à-dire que dès qu'il a spawn, il est pas mort. Hein. Il a fait sa série 30. D'ailleurs, ce que je vous montre en ce moment, c'est celle-ci. Et la deuxième nucléaire a été effectuée, je crois, dans les environs des 120 points de domination envoyés de la deuxième manche. Donc il y a eu un petit décalage entre les deux. Mais bon, voilà. Comme d'habitude, les amis, comme pour la nucléaire OSVG, le lien du gameplay entier, je crois qu'il dure 14 minutes parce que tu sais, il a rec le salon, tu sais, l'arrivée dans le salon, etc. Donc 14 minutes, vous pourrez aller voir. Et puis, franchement, les amis, si vous voulez vous en mettre plein les yeux, n'hésitez pas à aller voir. Il est en non-rep sur je sais pas quelle chaîne. Enfin bref, on publiera peut-être en public, enfin voilà. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis moi, les gars, c'était PsyWar sur la Obscur Clan. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!